pas fou, l'un des plus grands terroirs de France, le cru de l'Ermitage, atteint l'Ermitage. Ici en bas coule le Rhône dans sa vallée, et là-bas tout au fond vous apercevez le massif du Vercors, au lieu de la résistance. Cette montagne se poursuit jusqu'aux lointaines baronnies, à la limite de la Provence, et cette prestigieuse plaine maraîchère et fruitière où l'on récolte les produits merveilleux de ce qu'on appelle la petite France. Je vais y retrouver le sénateur Didier Guillaume, un homme qui a son franc-parler, mais qui aime son terroir, son territoire, qui connaît ce pays comme sa poche. Et nous allons traverser des paysages de montagnes, de plaines, et rencontrer des personnalités assez extraordinaires. Je vous invite à me suivre, c'est Manger, c'est voter, et nous sommes dans la Drôme. Bonjour. Guillaume, bonjour. Très heureux de vous accueillir dans la Drôme. Mais et à Sous, par un temps formidable. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Asseyez-vous. Bon, je vous ai fait attendre un petit peu. Non, je siroté tranquillement un verre de vin blanc grignant les abîmes et j'ai plaisir à vous en servir. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on voulait vous rencontrer. On a un programme très chargé, je crois. Oui, une belle journée, un programme très chargé. Oui. On va aller un peu partout dans la Drôme du Sud, dans le Diwa. On va voir de l'élevage, on va voir du maraîchage. On va aller dans la vallée du Rhône voir l'arboriculture. Mais immédiatement, j'aimerais bien vous emmener dans un petit coin de Sous, un endroit formidable, on a une très belle vue, et pour vous montrer ce que c'est le cœur de la ruralité drômoise. Je vous suis. Sacré paysage. Oui. Au milieu de la forêt de Sous, avec Roche-Colombe, les Trois Becs, et entre la Drôme du Nord et la Drôme du Sud, nous sommes là, à l'ouverture de la Drôme Provençale. On est au milieu d'un champ de lavande, mais il ne faut pas que ce soit des images d'Épinal. Il y a aussi des gens qui travaillent, mais dans ce pays drômois, il fait bon vivre. Moi, je suis drômois pur jus, du côté de mon père, dans les baronnies provençales, dans le Sud, et du côté de ma mère, dans la Drôme des Collines. Donc j'ai un pied au Sud, un pied au Nord. Mais des racines dans la ruralité, quand même. Ah oui. Qu'est-ce que faisait votre papa ? Mon papa était agriculteur, il était éleveur ovin, il avait des brebis et puis lavandiculteur. Oui, donc ce monde-là, vous ne le découvrez pas, vous êtes né dedans. Non, la ruralité, c'est l'âme de notre pays. Vous avez quelques diplômes, quelques études, qu'est-ce que... Vous êtes zénarque, vous êtes... Non, moi j'ai passé une enfance dans la rue, enfin, dans la rue au bon sens du terme, les rues de ma ville, avec mes amis, et je ne suis pas trop allé à l'école, je me suis formé sur le terrain. On n'est pas obligé d'avoir bac plus 28 pour comprendre la réalité. La carrière politique a germé comment chez vous ? J'ai milité à gauche au Parti Socialiste et puis en 1995, je suis élu maire de ma commune de Bourg-de-Péage et 2008, sénateur. Pourquoi Sénat ? Au Sénat, on peut porter des messages. Moi, je veux porter la parole des territoires et pas uniquement ça. Au fond de moi-même, dans mon sang, j'ai cet ADN rural, cet ADN de ces territoires qu'on ne peut pas laisser crever, quoi. Il ne peut pas y avoir tout pour la ville et rien pour la zone rurale. Bon, aujourd'hui, on ne va pas avoir des gens qui déclinent. Peut-être des gens qui souffrent. Mais non, pas, on va voir des gens qui sont heureux. Oui. Certains ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, mais ce sont des gens qui veulent avancer. Moi, je veux bien vous croire. On ne va pas courir le territoire. Et puis on va vérifier ensemble si tout ce que vous me dites correspond à la... On va voir ça, allons-y. Parce qu'on a l'air un peu con quand même concernant le champ de lavande, vous êtes d'accord? Oui, on est toujours un peu con, mais enfin en même temps on l'assume, ça fait longtemps. Hein. Nous sommes dans la vallée du Rhône, là on est parti de la forêt de Sous tout à l'heure, des champs de lavande, et ben là c'est tout à fait autre chose dans notre climat, mais c'est le paradis des arbres fruits. Incroyable, parce qu'on est parti d'une zone de montagne à la plaine, et puis on tombe là dans le verger avec des fruits. Ça y est, nous arrivons là chez Foriel, où il y a beaucoup d'arboriculture, d'arbres fruitiers bio, et là nous sommes dans son champ d'abricots bio. Ah oui d'accord, on est vraiment dans les... Au cœur du verger. Dans les abricots là. Au cœur du verger et des abricotiers de la vallée du Rhône. Magnifique. Et donc, il doit être par là, Marc Foriel. Oui, je vois des gens là-bas. C'est une production plutôt moyenne gamme, haut de gamme tout... Alors ici, c'est présentement une production très haut de gamme. Très haut de gamme. Ils ont réussi à valoriser par le label rouge, par le bio, et c'est du très haut de gamme. C'est un secteur qui a connu une crise, soit d'emploi, de main-d'œuvre, de marché. Il y a une quinzaine d'années, l'arboriculture de la Drôme était reconnue comme la première de France en quantité et en qualité. Et puis, il y a une épidémie, la charcat, qui est arrivée. La charcat. Et le verger a été dévasté. Un peu plus au nord, c'est 80% du verger qui a disparu. Là, beaucoup touché. Et ils sont en train de repartir avec
avec des travaux variétaux et les choses avancent bien. Tiens, il est d'accord, là. Voilà. Monsieur Fauriel est là. Bonjour Monsieur Fauriel. Bienvenue. Bonjour, merci. Bon. On a la météo adéquate pour avoir des fruits mûrs là. Oui, alors là, attends, vous voyez, quand, il vient tomber. Quand les abricots commencent à tomber, ça veut dire qu'on peut ramasser. C'est un indice, quand on commence à voir des abricots par terre, et aïe. Bon. Vous pouvez trouver qu'il y a beaucoup d'abricots, il faut se dire que les arbres sont peu chargés. Ah. Une charge normale, c'est comme vous voyez les branches là, comme ça. Tout ça, c'est normal. Voilà. Mais là, il n'y a plus rien. Ça devrait être comme ça jusqu'en bas, vous voulez dire. Jusqu'en bas, il doit être des manchons jusqu'en bas. Ça, c'est en agriculture biologique. Donc la difficulté de l'agriculture biologique en abricot, c'est le problème du monilia. Le monilia, c'est la pourriture. Donc notamment au moment de la floraison. Et en bio, on peut juste intervenir avec des cuivres, de la bouillie bordelaise, hein, et qui donne des résultats très moyens. Qu'est-ce que peut produire un arbre en poids? En poids, on dit à peu près une centaine de kilos. Il manque 70% de récolte. Ouais. Donc malgré les progrès de l'agronomie, le bio reste une production fragile. Oui, essentiellement sur les fruits à noyaux. Et je pense qu'une des solutions pour le bio, comme on connaît actuellement en pomme, ça passera par de la recherche variétale avec des résistances aux maladies cryptogamiques. C'est important de persévérer dans la recherche sur le bio. C'est indispensable. C'est-à-dire des arbres qui résistent. Nous sommes opposés aux OGM. En tout cas, moi, je suis opposé aux OGM. Ça, il n'y a pas de discussion possible. Mais l'agriculture s'en sortira en France si la recherche, elle va au bout. Et ça, c'est les abricots qui sont en troisième feuille. Voilà. Et on commence à voir un peu la production. Ça, c'est splendide. Hein. Magnifique, ça. Ça les a, hein. On dirait presque des pêches. Je sais pas si c'est l'abricot. Aujourd'hui, la grosse mode, c'est les abricots rouges. Pas mal non plus. Pas mal, mais... Non. Mais il peut être un compromis intéressant entre le premier... Oui. Et il est très beau à l'œil. Hein. Sa capacité de présentation qui est bien. C'est pas mal, ça. On m'avait dit que le dernier était le moins bon. Non, le dernier, c'est... Non, ça, c'est même très beau. Très parfumé, très fruité. Petit arrière-goût de rose. Regardez le rose muscat. Mais en colo, on est un peu moins. Ah ben. Et voilà. Et c'est un arbre. Celui-là, c'est incontestable. C'est le meilleur. Les autres étaient bons. Hein. Ouais, celui-là, non, c'est non, le meilleur. Hein. L'idée bio, elle a pris racine à grande échelle dans la Drôme. C'est le premier territoire où on a pu l'expérimenter, pas seulement... Oui, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'est celui qui est le plus en avant sur tous ces sujets. Premier département bio de France de loin, dans toutes les multifilières, et je crois que les choses vont bien, et tant mieux, il faut continuer. Oui, quand Didier Guillaume dit que la Drôme est le premier département en agriculture biologique de France, ça signifie qu'il y a 1500 exploitations bio sur le territoire de la Drôme, que les surfaces agricoles de la Drôme cultivées en bio représentent 15% du total des surfaces agricoles, et pourtant, en France, il n'y a que 2% de l'agriculture qui soit en agriculture biologique. Quelle clientèle pour ces produits-là? Alors là, au niveau clientèle, on retrouve magasins spécialisés bio, et également, aujourd'hui, on a un partenaire qui est la grande distribution avec Carrefour. Carrefour, le rayon bio de Carrefour. Agir bio Carrefour. Ça, c'est une avancée, c'est-à-dire que le bio, qui était autrefois une niche pour une certaine catégorie sociale, aujourd'hui, il est dans la grande distribution, accessible aujourd'hui à pas mal de gens. Ça, c'est la grande distribution qui a compris qu'elle devait y venir, ou la pression du consommateur? Je pense que la grande distribution va dans le sens où ils gagnent de l'argent. Hein. Oui, donc, il y a une demande du consommateur, donc ils font du bio. Mais tant mieux si dans la grande distribution, il peut y avoir des produits de qualité, des produits bio. Le seul bémol que j'y mettrais, c'est attention que le bio ne devienne pas comme le conventionnel, c'est-à-dire qu'il faut toujours mettre bio et approvisionnement local et circuit court tant que l'on peut. Parce qu'on peut faire du bio qui vient de Californie ou d'ailleurs, pourquoi pas, mais il est important de relocaliser l'agriculture aussi. Bon, là concrètement, si je suis le chariot, il va où? À côté, pas loin? Là, le chariot, il part à la station fruitière, à 800 mètres d'ici. On va aller voir. On peut aller voir, allez. Allez. Eh ben, c'était bien. Démonstratif. Bravo, oui. Écoutez. Un beau verger, une belle station. Un souvenir quand même, quelques abricots. Oh, pourquoi pas. Allez. Et voilà. Oh, ils sont superbes. Hein, allez, mangera ce soir. On va se régaler ce soir. Ouais. Alors, où va-t-on d'ailleurs maintenant? Alors, nous partons plein est, voir un éleveur caprin et son épouse formidable. Un type qui a été deux fois de suite champion du monde de rallye comme motoriste, qui a fait une reconversion totale, qui aujourd'hui est éleveur de chèvres. Il se régale, il fait des produits magnifiques, du picodon. Allez, c'est parti. Allez, 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 allez.
Donc là, Péricot, nous allons voir Daniel Gilles, qui est un éleveur en bio, dans un cadre environnemental formidable. Ouais, c'est beau. Et là, je vois qu'il y a des chèvres, donc il devrait être par là. Ah ben le voilà, au milieu de ses chèvres. Bienvenue dans la Bio-Vallée. Merci. Bonjour Péricot. Bonjour Monsieur Gilles, ça va bien? Merci. Daniel, bonjour, merci de nous accueillir. Allez, allons-y. Au milieu des chèvres. De belles alpines, hein? Alpines chamoisées, oui. Chamoisées. Voilà. Elles ont gardé leurs cornes, c'est formidable. Félicitations. Ouais, ouais, c'est partie de notre projet de garder des chèvres cornues. Ça fait partie de leur équilibre. Le sénateur m'a expliqué que vous n'étiez pas du tout là-dedans au départ. Non, non. Mais vous avez commencé tout de suite en bio. Tout de suite en bio, ouais. D'accord. Voilà. Par éthique, oui. Parce que c'était déjà notre vous façon de consommer. Le revenu se fait par la production de lait qui est transformé en fromage, de type Picodon AOP. Ici, sur place, ouais. Ici, sur place, dans la fromagerie. On est en fermier, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. C'est une agriculture d'avenir, là où ça reste des niches. C'est une agriculture d'avenir, je le pense. Il y a une demande sociétale, et les gens veulent des produits bio, des produits de qualité, des produits avec une traçabilité importante. Et ce qui a été fait là est un exemple qui peut... En faire démarrer d'autres. Bien sûr. L'atelier est tout prêt? Il est tout prêt, ouais. On peut goûter quelque chose? Il n'y a aucun problème, suivez-moi. Allez. Ça sent bon ici. Je suis en train de mouler les fromages, comme chaque matin. Ce soir, on va les retourner, les saler. On pourra les appeler Picodon au bout de 14 jours. C'est le cahier des charges de l'AOP. Vous ne vendez que sur les marchés? Vous avez aussi une clientèle en direct? On vend sur place et on vend sur les marchés et on vend également aux restos locaux. Alors, il a son petit duvet, hein. L'idéal, ça aurait été de laisser une heure dehors avant de le consommer, qu'il soit à température. Voilà. On voit bien le... Ouais. On y est. Bien marbré. Avec la couche de géotricome. Voilà. Là, on a le goût. Je comprends pourquoi il faut 14 jours. Formidable, monsieur le sénateur. Oui, c'est très très bon, d'ailleurs. Voilà. On va prendre un petit morceau. Allez. C'est dominant dominé là, tu vois. Ça, c'est l'ancien qui est en haut. Mais il est encore vigoureux, l'ancien. T'approches. Ça, c'est le plus jeune, ça. C'est beau, là, hein, cette image, là, cette sortie. Splendide. Donc là, vous avez les montagnes de la montagne de la Lance de Saint-Maurice. Là, on est dans la vallée de la Drôme, dans la Bio-Vallée. La Bio-Vallée, c'est quoi? On a créé ce concept à partir d'un territoire où on travaille économiquement proprement, environnementalement proprement, le bio et tout s'écrit autour de ça, les agriculteurs, l'économie, la construction en bois, beaucoup de formations. C'est spécifique à ce département? Ah oui. Dans la Bio-Vallée, on est à 30%. 30% bio. Donc si je refais l'équation économique, un troupeau de... 55 chèvres, 10 hectares de parcours boisé et 1 hectare de terre labourable pour l'autonomie fourragère et céréalière. Et ça fait vivre une famille et il y a quand même un emploi. Il y a quand même un emploi, ouais. Est-ce que vous avez vu, proche de vous, des gens qui sont passés du conventionnel comme ça parce qu'ils vous ont vu réussir au bio? Alors pas parce qu'ils m'ont vu moi réussir, non. Mais parce qu'il y a eu une dynamique départementale de passer à l'agriculture biologique. Donc la mayonnaise prend. Donc voilà, ça prend. Et puis ça va continuer à prendre parce que c'est irréversible. Je suis très optimiste parce que la prise de conscience de tous les paysans, de tous les agriculteurs, elle est là. L'agroécologie, c'est notre avenir pour l'agriculture. Daniel, il a tout bon, si je comprends bien. Je crois qu'il a tout bon, oui. Mais il y en a d'autres. Voilà, tout ça, c'est le territoire électoral du sénateur Didier Guillaume. C'est vrai qu'à chaque virage, le paysage est différent. Différent. Voilà, donc là, nous sommes arrivés à Nyons et je vais vous amener voir le pape de l'olive, le pape de l'huile d'olive. Christian Barthet, il dit Kiki. Il dit Kiki. C'est le monsieur avec les moustaches, voilà. Oui, derrière la moustache, une grande intelligence. Je m'en doutais. Oh, Kiki, comment vas-tu? Très bien, au revoir. Péricot, les gars. Monsieur Barthet, bonjour. Très honoré. Monsieur Péricot, voilà, ça fait plaisir de voir dans notre région. Le sénateur vous couvre d'éloges. Je me dis que vous êtes un vrai provençal, c'est vrai? Ah oui, c'est un provençal. Parlez une provençal también. Et c'est un qui pour défendre et apparat la langue provençale. Nous sommes d'accord. Alors, voilà l'huile de Nyance. L'huile d'un producteur, un petit village de Beauvoisin, dans l'arrière-pays. Magnifique, on peut la goûter? Oui, bien sûr. Il ne faut pas venir à Nyon sans goûter l'huile. Vous m'étonnez.
Ça y fera pas mal, hein. Non. Ça risque pas de tomber sous les pieds, là. Pas de cette belle couleur, déjà. Magnifique. Un goût de pomme verte au nez, et puis à la bouche, quelque chose de très bruyant, amande douce, etc. Elle est parfumée, elle est fruitée. C'est un médicament. Et l'ardence, juste ce qu'il faut. Ça fait partie du régime crétois. Régime crétois. Voilà. C'est ce qu'on appelle, nous, le régime nioncé. Hein, voilà. On n'est pas chauvé. Elle est où, la coopérative? On y va? On y va. Merci. Bien entendu, ce sont des olives noires. Oui, des olives noires qui sont ramassées à maturité. Parce qu'une olive noire est une olive qui est mûre. Et les olives vertes est une olive qui n'est pas mûre. Il n'y a pas des oliviers qui font des olives vertes et des oliviers qui font des olives noires. Une olive noire, elle est mûre. Voilà. Et la verte, elle n'est pas mûre. L'olive de Noronion, c'est une olive spécifique qui s'appelle la tanche. Cette variété d'olivier pousse uniquement dans le bassin des Baronnies. Donc c'est un arbre vraiment local qui s'est habitué à notre territoire. On l'a qualifié d'unique au monde. C'est la première huile d'olive française d'appellation d'origine contrôlée, la plus ancienne. Et pour les olives. Elle est unique au monde. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit maintenant et c'est reconnu. Personne est venu nous faire un procès parce qu'on avait dit que c'était unique au monde. Olive naturellement ridée, oui. Parce qu'elle pourrait ne pas être naturellement. Oui, à la limite, on pourrait le penser, mais une olive d'oignon, c'est ridée, normalement, naturellement. Pourquoi? Mais parce que l'olive a eu froid lorsqu'elle était sur l'arbre. Ah, on pourrait penser que c'est ridé artificiellement. Ah, oh, oui. Mais il n'y a pas de ridage artificiel. Ah bon, j'ai eu peur. Ça n'existe pas, non. Mais c'est justement, c'est pour signaler que... On ne doit pas se poser des questions, pourquoi c'est ridé, c'est naturel. Et là, c'est très bon pour le commerce. Ah, c'est très bon pour le commerce. Ça, c'est prêt à consommer. C'est prêt à consommer. C'est pour moi, quoi. C'est pour vous, oui, si vous voulez, vous pouvez l'emporter. Qu'est-ce que c'est bon? Allez, les amis. Au nom de Dieu. Oh là là. Il n'y a que du produit, là. Oh là 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 là. On ne passe pas par Montréal à source, il m'a dit, on va à Montréal à source. C'est la fin du monde, mais le début d'une autre civilisation. Quand on est à Montréal les sources, on peut dire merde à l'uniformisation. Parce que ce que l'on veut, c'est la qualité. Il n'y a pas une olive qui se ressemble. Et l'authenticité. À santé. Pour l'instant, on est d'accord. J'espère que ça va durer. Je vais lui faire une petite tartinette, là. Comment appelez-vous cet ingrédient, monsieur le sénateur? De la petafine. C'est traditionnel du pays. Oui, et la petafine, après, ça dégage et on dit ça va petafiner. Vous savez, je suis très adepte des produits du terroir, c'est pour oui, ça. Justement. Oula. Oula. Ça dégage les branches. Oh la vache. Il pleure. C'est ignoble. Oh la vache. C'est excellent. Non, c'est ignoble. Ah, puis ça part pas. On a réussi ça en 40. Les Allemands, ils restaient 3 semaines, ils repartaient tout de suite. C'est dommage. Ça vaut 4 maquis, ça. Hein. Vous n'en étiez pas nés, nous, en 40. Mais vous en mangez tous les jours? Tous les jours. Ah bon, on va faire tous. Oh, mais la que devient du catalan, Fopo Santo, Uber Santo, il est jardin, il est tambour, il est avant du Là, je roule vers le village de Charpé où je vais retrouver Céline Charignon. C'est une jeune femme, elle s'est lancée dans le maraîchage bio sans avoir le label. Mais c'est quelqu'un de déterminé et c'est peut-être le nouveau visage de l'agriculture française. Donc on va essayer de trouver Céline dans sa serre. Ah. C'est l'heure de la cueillette en plus. Ouais. Ah ben elle est là, je l'ai pas vue. La voilà. Bonjour madame. Bonjour. En train de la cueillette des tomates. Voilà, c'est ça. De bon matin. Il y en a beaucoup des tomates. Oui, il y en a beaucoup. Là, il faut que ça soit ramassé dans combien de temps? Non, mais ça je ramasse au fur et à mesure. Ben moi, tous les jours je vends, donc tous les jours voilà. C'est frais. Et, ouais. Et quelle mouche vous a piqué pour vous lancer dans cette aventure? C'est venu comme ça, je suis partie un peu à l'aventure. J'y connaissais rien du tout, je suis novice, donc j'ai tout appris en un an. Je suis retournée à l'école pendant un an et j'ai tout appris dans une ferme bio. Je suppose que vous avez d'autres choses. Oui, j'ai d'autres choses, je vais vous montrer. Parce qu'après avoir goûté la tomate, je voudrais bien goûter une fraise. Même si on est tard, on a 16 ans. Oui, je sais pas s'il en reste, on va aller voir. Une fraise cueillie. Les fraises, c'est passé déjà, oui. Oui, c'est la fin, là.
On a des fraises bien. Ah oui, c'est les dernières. Ouais. Oh, il y en a une belle là. Oh, ça c'est une fraise. Elle est jolie, hein. Ah oui, elle est belle. Ouais. Ah, mais il y a une fraîcheur. Donc là, vraiment, je vois bien que c'est du bio. Malgré tout, vous n'avez pas besoin du label. Vous n'avez pas demandé le label. Non, j'ai pas demandé le label. Je pars du point de vue que j'en ai pas besoin. Les gens me le demandent pas non plus. J'ai bonne conscience. Je sais que il y a pas de produit. Les gens le retrouvent quand ils le mangent. À la confiance. Voilà, c'est bon. Ça. Et ça marche très bien. Donc si une grande surface de la région de Valence vient vous voir en disant « j'aimerais faire vos légumes », là, pour l'instant, vous pouvez pas répondre. Non, mais c'est pas mon souhait d'aller vendre en grande surface. Non, attendez, si eux viennent en disant « on voudrait avoir un rayon bio ». Non. Non, bah, y a d'autres personnes qui peuvent s'installer. Je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Et, vous êtes un petit peu plus cher que s'ils allaient dans une grande surface. Pas du tout, moins. Moins cher. Et oui, parce qu'il n'y a, pas d'intermédiaire. C'est ce qui fait la force. Enfin, on nous a toujours expliqué que ce qui était bio était plus cher parce que plus de main-d'œuvre, plus de travail. Mais là, non, il ne faut pas écouter les oiseaux de mauvais augure. Je ne suis pas d'accord pour que les pauvres bouffent des trucs dégueulasses et que les riches puissent se payer des bons produits. Ben moi, je me bats contre ça. Mais qui enfin, c'est dit ça qu'il toujours moins ça. Cher, c'est la grande distribution, monsieur le sénateur, mais, c'est pas eux. Mais, il vous arrive quelquefois de rencontrer les grands patrons de la grande distribution. Bien sûr. Vous les grondez un petit peu. Bien sûr, mais moi, j'en connais beaucoup, je les connais quasiment tous dans mon département. Ça peut pas être la course toujours au moins 10 ans, la course au moins cher, la course à tout cela. Et c'est le leitmotiv commercial actuel. La publicité, c'est venez chez moi parce que ça coûte moins cher qu'ailleurs. Moi, j'aimerais des publicités où ils disent venez chez moi, c'est meilleur qu'ailleurs. Voilà. Ben c'est ça qu'il faut changer. Et moi, je veux la féliciter vraiment parce que bravo, quoi. Une jeune femme qui dit je change de boulot et je m'installe moi toute seule, sur mon exploitation d'un hectare, c'est ça ? Oui. Je vais faire du maraîchage et les gens, je vais leur apporter toutes les semaines un panier. Mais là, ce qu'il y a dans le panier, c'est super bon. C'est, ben voilà. C'est un exemple national. Ah ouais, ouais, je crois. Et vous en vivez, Céline ? J'en vis. Eh ben, parfait, oui. Bravo. On peut voir un panier ? Est-ce que ça... Oui, je vous y emmène. Ah, mais il y a tout dedans. Oui. Panier complet. J'ai mis des pommes montrez-moi. Alors là, il y a les aubergines, les tomates, les courgettes, oui. Carottes, pommes de terre nouvelles, du fenouil, des betteraves et lessives. Bon. Ah bah dis donc. C'est un panier à 20 euros, c'est pour 5 personnes, d'accord. 5-6 personnes. Encourageant, n'est-ce pas, hein? C'est très encourageant, surtout quand on voit ah oui. Des produits comme ça, des aubergines comme ça, c'est... Voilà, ça c'est beau. Nous sommes dans le Diwa et nous allons retrouver Jean-Louis Mansip, qui est un berger qui se bat pour préserver les valeurs du pastoralisme dans cette vallée. C'est un homme qui a beaucoup d'expérience et je pense que son témoignage va nous apprendre beaucoup de choses. Qui est ce Jean-Louis Mansip ? Chez qui vous m'emmenez ? Jean-Louis Mansip, qui est un éleveur, qui fait de la noix aussi et qui est une personnalité du territoire. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Vous êtes un des derniers bergers de la vallée ou non ? On est encore quelques-uns, on est de moins en moins qui tentent de vivre de l'élevage au vin. Bonjour madame. Voilà Marie Armel. Bonjour. Ah, vous travaillez en couple alors ? Oui, nous sommes associés. Ah, vous êtes associés en plus ? Oui, tout à fait. Bon, bonne association. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes avec leur petit bonnet de laine ? Elles ont quel âge là à peu près ? Elles ont 7-8 mois. Didier Guillaume, vous avez déjà goûté aux agneaux de Jean-Louis ? Oui, mais bien sûr. Bonne viande ou non ? C'est de la très bonne viande et surtout, ce qu'ils font ici est quelque chose d'essentiel. Le jour où il n'y a plus d'éleveurs au vin, c'est tout un patrimoine qui s'en va. Mais eux, ils ont un ennemi. Un ennemi terrible, qui est le loup, qui est le prédateur. On évalue la population à combien ? Soi-disant, de façon officielle, il y a 300 loups en France. Oui, vous pensez, vous, votre chiffre à vous, ça serait quoi ? Il y en a beaucoup plus. Et quand on commence à le voir et le revoir, c'est qu'il y en a. C'est à ce point-là. Aujourd'hui, on nous pousse à cohabiter, mais après 20 ans d'expérience, on peut dire aujourd'hui que c'est impossible. La présence du loup peut nous contraindre à arrêter l'élevage au vin. Ça serait ça le pire. Ce sont des écolos. Ils défendent leur territoire. Je ne veux pas éradiquer la population de loups, mais il y en a trop. Et si on choisit le pastoralisme, ce qui est mon cas, alors il faut prendre des décisions. Vous en vivez de l'élevage ou non ? On n'en vit pas vraiment. On a d'autres productions sur l'exploitation qui nous permettent de vivre. Quoi ? Des noix, notamment. Ah, vous vivez plutôt grâce à la noix ?
Si on voudrait avoir de l'agneau au prix où on devrait être payé, il faudrait qu'il soit à plus de 20 euros. Voilà. On n'a pas le prix de la viande qu'on devrait avoir pour pouvoir vivre correctement. Quel est le prix du kilo quand vous vendez au client directement ? Au client directement, je vends 12 euros. Oh là là. Enfin, vous continuez à vous accrocher en tout cas, oui. Oui, tout à fait. On continue. Moi, je n'ai pas envie de changer de métier. Mais il faut bien reconnaître que est-ce qu'on tiendra le coup jusqu'à 62, 63 ans à ce rythme-là ? C'est une liberté qui coûte très très cher. Très cher. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? Monsieur le sénateur, on a un gouvernement, on a des institutions. On nous avait dit que l'Europe allait apporter non seulement du soutien mais de l'avenir à ces gens-là. Je ne vois que des gens dans la détresse. Oui. Que des pastoralismes qui disparaissent et des gens qui disent j'en peux plus. Oui, mais l'Europe apporte, on le disait. Artificiellement. Le problème, c'est qu'il faut repenser l'organisation de l'agriculture en France. L'agriculture est mal organisée, les filières économiques sont mal organisées, il y a un déséquilibre entre l'amont et l'aval, et tant qu'on en sera là, on en a parlé tout à l'heure, tant qu'on en sera là, ça ne marchera pas. Moi, je veux le redire ici, un agriculteur, un éleveur, qui vend des produits en dessous du prix de revient, ça devrait être interdit. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors après, ils font quoi ? Ils abattent tout le troupeau, puis ils vont où ? Non ? J'ai l'impression que ça évoque des souvenirs pour vous. Oui, oui, oui. Parce que mon père a quitté l'école à 12 ans, à l'âge du décès de son propre père, de mon grand-père. Sa mère lui a dit, bah, tu vas t'occuper des bêtes. Et donc, il avait 300 bêtes à s'occuper, de l'âge de 12 ans à l'âge de 41 ans. Et je sais ce qu'il a enduré, je sais ce qu'il a souffert. Et quand j'entends, quand je les entends tous les deux, Jean-Louis et son épouse, ben, je vois ce que c'est. Quoi. Ça me fait beaucoup d'émotion parce que je me dis, merde, c'est pas possible. Quoi. C'est pas possible que ce beau métier, on en vive comme ça. C'est pas possible. Moi, je pense qu'il faut que ça change, ça. Voilà. Mais quel désastre, ça, c'est... Mais on se dit quand même qu'on a été à tous les niveaux, ou on impuissant... On est des rois des cons, c'est tout. C'est pas impuissant. On est des gros nazes. C'est un bon slogan politique, ça. Consommer bio, c'est voir plus loin. Oui, je pense que c'est bien. Moi, j'aime ça. Vous l'affichez, toujours, en tout cas. Je l'affiche. Alors, ce qui est important de se retrouver ici, c'est justement la force de votre agriculture. Et si les Françaises et les Français, plutôt que d'être à moitié anorexiques, mangeaient du bon cochon, des bonnes ravioles, mangeaient des bons produits, ben, ça irait mieux aussi. Hein. Santé, les amis, et merci d'être là. Et on va continuer... Comment ils sourient, là, comment ils ont les yeux qui brillent, les deux, là-bas. Je plains les végétariens qui se privent de ça. J'en ai marre des végétariens. Oui. Je le vois au Sénat. Au Sénat, il y a toujours, dans toutes les lois, des amendements qui sont passés pour « faut pas tuer d'animaux, faut pas trop manger de viande, etc. » Et puis c'est les mêmes, après, qui viennent pleurer avec les larmes de crocodile de voir que les éleveurs bovins ou les éleveurs de porcs ne gagnent pas leur vie. Ben oui, ben si on mange pas de viande, les éleveurs vont crever. Faut être cohérent. Voilà, faut être cohérent. Donc je respecte les choix alimentaires des Françaises et des Français. Mais putain, faut manger de ces produits-là. Merci beaucoup. C'est bon, ça, non ? Quelle formidable journée avec un sénateur qui n'a pas sa langue dans sa poche, ni son palais d'ailleurs, et avec lequel nous avons parcouru des territoires et des paysages formidables. Et nous avons rencontré des gens qui sont vraiment pleins de ferveur et plein de courage. Il y en aura d'autres, ce sera sur Public Sénat pour un prochain Manger, c'est voter. Merci, à très bientôt.